Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, vous savez ce que ça veut dire, c'est la Saint-Valentin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un écran de chargement. Ah! Ah! Ma souris marche plus. Ah. Ta gueule. Ta gueule. Voilà. Bienvenue pour cette Saint-Valentin sur les Laser. Pardon pour la prononciation, mais les Laser Shoot. Laser Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Autrement dit, Larry, l'affaire. Les rêves mouillés ne sèchent pas. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre tout ça au propre. Il y a un épilogue. Je me demande ce que c'est. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Laser Suit Larry ou Larry l'affaire, il s'agit de jeux de cul. Non, non, littéralement, c'est des jeux de cul. C'est pas du 18+, c'est du 16+, parce que c'est beaucoup d'humour cru. Les vieux Larry l'affaire avaient des godemichés à trouver, beaucoup de scènes de cul, mais généralement, très peu de choses à censurer parce qu'il se passait rien, parce que Larry est un être pathétique. Il a eu des jeux sur PlayStation 2, si je me rappelle, mais je pense que ce jeu fait abstraction de tout ça et nous amène directement à Larry. Donc on va, je vais modifier le son, je reviens tout de suite. Voilà, là ça devrait être bon, nous allons donc cliquer sur l'épilogue pour voir ce qui se passe. Ce contenu vous divulguera une bonne partie de Wet Dreams Don't Dry. Voulez-vous vraiment jouer à l'épilogue? Pourquoi tu ferais ça? Ah non! Je pensais que c'était un... Non, épilogue, c'est la fin. D'accord. En fait, il faut savoir que Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry, a eu une suite, et donc je pense que cet épilogue est là, ajouté pour ceux qui auraient jamais joué au jeu, enfin, pour qui auraient joué au jeu, sans savoir qu'il y avait une suite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à la fin, il se passe un truc, donc on jouera l'épilogue à la fin. Tu es sur le point de commencer une nouvelle partie. Quel âge as-tu? Je suis assez vieux pour jouer. Je suis bien trop jeune pour y jouer. Je suis bien assez vieux. Je ne suis qu'un chat qui marche sur un clavier. Je suis assez vieux pour jouer. Eh bien, tu penses vraiment être assez vieux, voyons. Ça avec quelques questions. C'est parti. De quel film de super-héros le protagoniste a-t-il subitement vu apparaître des tétons proéminents sur son costume? Sincèrement, c'est Batman et Robin. Quelle extension de Magic the Gathering n'est pas sortie en 1997? Alors, je ne joue pas à Magic. Ellipse. Re, alors apparemment Ice Age n'est pas sorti en 97. Que signifie SCTV? SCTV. Security Cobra Television, Second City Television, Soccer Canada Television. Mais putain, mais c'est quoi ces questions? J'ai bientôt 30 balais, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est des trucs américains, tu vois. Magic the Gathering, je connais pas, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Magic the Gathering. Alors, attention. Il s'agit de Second City Television. Une série télévisée humoristique canadienne. Donc, ils considèrent que je suis québécois. Si je joue en français à ce jeu. Second City Television. Et que signifie-t-il ? Extraterrestre. Old school. You want it too. The fuck you are. Ah, il y a des voix. Ah putain, Larry qui est littéralement sur le poster, enfin sur la prophétie derrière, regardez avec sa veste. Ever be the same.
Alors j'ai vu que Benzaï a joué au jeu, j'ai pas regardé parce que je comptais le faire aussi. Mais j'ai vu des vidéos de Benzaï sur les anciens Larry Laffer. Ouais, ça j'en ai entendu parler, c'est que déjà Larry il a pris il a pris de la taille. Et je pense que ce jeu fait abstraction des jeux PlayStation 2, Larry l'affaire. Mais je sais pas de combien de jeux il fait abstraction. Ça va, j'ai compris. Inventaire, rechercher, toucher. Ok. Looks like there's something behind it. Ouais, quelque chose derrière. Oh. Seems to be some kind of high-tech laboratory. Was I abducted? And most important, by whom? Well, that did something. Did they experiment on me? And most important, who is they? Feel like I've been sleeping for ages. Ah, daylight. Ok, est-ce que je monte? Wow, that must have been one hell of a night. Oh, everything's blurry. But it's a brand new Alors, je suppose que le jeu n'a pas beaucoup de trucs. Today the sun is shining for one man. And one man only. Larry Laffer. Larry Laffer. Il est même en mode truc de Da Vinci là. Alors évidemment le jeu, oula. Ok, donc je ne peux plus descendre. Alors, Lefties, je m'en souviens, c'était dans une des vidéos de Benzaï. C'était dans, je crois, dans le premier Larry Laffer. Après, je peux faire des recherches puisque ce serait extrêmement chiant. Là, j'étais en train de regarder si le jeu était canonique à l'un d'entre eux. Après, on s'en fout un peu. J'ai envie de mettre timeline. Attendez, je reviens. Alors, d'après ce que je vois sur le wiki Leisure Larry Omnipedia Wiki, la timeline de Wet Dreams Don't Dry, c'est que, en fait, Larry Laffer, premier jeu, voyage à Lost Wage pour perdre sa virginité, trouver l'amour véritable. Il rencontre Eve et il fait une nuit d'amour avec elle. Ensuite, il est enlevé et congelé dans le futur. 2018, Larry se réveille dans un laboratoire au 21e siècle. Voilà. Donc, tous les autres épisodes de Larry l'affaire n'existent pas. Voilà. Du coup, le jeu que j'ai vu chez, enfin, un des jeux que j'ai vu chez Benzaï, qui était le premier, est littéralement tout ce dont on a besoin de savoir.
Ok, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je peux regarder? Les poubelles. On doit toujours fouiller les poubelles dans ce genre de jeu. Et la capote, tu la prends? Ça, c'est en surbrillance, c'est à prendre, ça. Ouh là là. Donc, il y a quelqu'un qui baise à l'étage. Ça ne m'appelait pas ça, le voyage dans le temps. And then I took a closer look at him and think, hello, those clothes are like so not. Hey! Wait a minute. Ugh, some guy keeps talking to me. I'll call you back later. What's a woman like you doing in a place like Lefty's? Well, the reviews sure didn't get me here. The joint only has like 23 fans on Instagram and a half star on Gulp. OMG, mega downer. But it's supposed to be the city's hot insider tip after next. Okay. It's also totally retro and vintage and stuff. Look at this filth. It really looks real. The Salon de Lézard is nothing compared to this. I'm Becky Butter, but I'm sure you already knew that. You look like one of my typical followers. Tu veux dire que t'aimes les hommes en costume blanc? Je te suivais pas, c'est la vérité. N'oublions pas qu'il vient des années 80. Hein. Hey, my community is fading. My channel could really use some likes or I'm gonna lose traction. Ta chaîne, la télé, t'en pleures? Pourquoi tu pleures? Ta communauté, t'es communiste? Non, ta communauté, t'es communiste, direct. C'est-à-dire que oui, j'ai tendance à partager tout ce que je vois sur Facebook. J'en vois. Larry, il a la tête que je fais quand quelqu'un m'explique une conspiration sur les masques ou sur le vaccin. Burning Man. Homebrewed, totally analog, like by hand and all. Great for a selfie. Hey, I can get you one of those draft beers. Craft beer. Or one of those. And if they have any like really spicy versions, then that's what I want. You know, like pumpkin spice or lemon cobra or something. Oh, and sure. Okay. Alors, je pense que je me souviens de ce poste. Et ils l'ont pas. Alors avant de. Just don't play any songs on that thing. That record in there would shatter your glass eye. The window is made of plastic. Seems pretty sturdy. Okay. Ça c'est Becky. Avant de parler à ce qui semble être Lefty. Hands off. That's where my barbarian brew comes from. Only professionals like me are allowed to tap that. Ok, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Ok, on va te parler. Larry, is it really you? Yep, still the one and only. It is you. I haven't seen you in ages, and you haven't aged a day. You know, somehow you look even better than before. Not as chubby. I wondered where you got. Some said you'd retired to an exotic island somewhere.
Others thought you had entered a monastery. And some said you were dead. Non, en fait, j'étais congelé. J'ai jamais mis les pieds dans un monastère. La seule chose exotique que j'ai jamais connue, c'est une maladie. The only exotic thing I ever had was a disease. Looks like you still suffer from your incurable lack of good taste. But seriously, Larry, what happened to you? Well, I was on a date with what was her name? At any rate, we went to her place. Or to mine, or to a hotel. And then entre nous, je sais pas si on a couché ensemble ou pas. Je dis pas que c'était des extraterrestres, c'est. Just between you and me. I don't know if we had sex or not. Just between you and me. Between the two of us. You still look like a virgin. Disons que les menottes étaient attachées au lit. I do the same thing. Helps against sleepwalking. Now, I'm not saying it was aliens, but it was aliens. Oh, I don't even want to know what they did to your orifices. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. I have no idea what happened. Don't worry, Larry. No one knows what's going on anymore. The world's gotten confusing. Something's wrong here. Becky a parlé d'Instacrab, de Timber et d'autres trucs du genre dont j'ai jamais entendu parler. J'ai vu des gratte-ciel dehors qui n'étaient pas là hier. Wait a minute. Larry, you do realize you've been gone a long time, don't you? What do you mean? You completely dropped off the radar. Like for years. Now, what are you saying? You mean it's already 1990? 2000? Is the glowing box a remote control for a jetpack? Are we on Mars? Well, see, it's... come closer. Really? Really? Okay. I'm in the 21st century. I knew are dead. Mais non. Pourquoi il serait mort? Pourquoi il serait mort, Larry, les gens que t'as connus dans les années 80? Mon père, il était présent dans les années 80 et toujours en vie, hein. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de Lost Wages? Lost Wages? Larry, you're in new Lost Wages. You must have really hit your head. Et les jetpacks? They all flew up. Too bad. Est-ce qu'il y a des robots sexuels maintenant? I'm just kidding. Even in the 21st century, we still have sex. No robots yet, though. Pas encore, hein. Que tu peux me dire d'autre sur ce nouveau monde? You know, your clothes are coming back into fashion. What else can you tell me about this new world? Cat pictures are a new religion. C'est vrai? What else can you tell me about this new world? Nobody plays point and click adventure games anymore, but games with exploding candies and stuff. Oh mon dieu! What else can you tell me about? Ce jeu a été fait par un boomer. Is dead. Quoi? What else can you tell me about this new world? The space shuttle and the Concorde are history now. What else can you tell me about this new world? On veut tout savoir. Detergent to look cool. What else can you tell me about this new world? Synthesizer music isn't as popular as it once was.
What else can you tell me about this new world? People usually carry their computers in their pants pockets now. Quoi? What else can you tell me about this new world? Some people think you have to pour a bucket of ice water over your head before you can donate money. Ce jeu est très basé dans les années 2017-18. Ok, merci Lefty. Ouais, j'ai eu un succès. Je voudrais deux bières, s'il te plaît. One for Becky. Fine. She's one of those damn hipsters flooding the city these days. Calls herself an influencer. Ha! I used to put a sign outside saying we serve beer. Nowadays, I have to make sure that one of them influencers posts a photo of it on Instacrap. Insta. Okay. Here you go. Two barbarian brews. Brewed with a lot of love. Although the health department just doesn't seem to appreciate that. Okay. Put it on my tab. Good thing I still have yours from 1987. Oh. Larry, tell me. Did you just put those two beers in your jacket? Sure. That's what I always do. With everything. Isn't that allowed anymore? Never mind. A plus Lefty. C'est vrai que c'est un peu bizarre en tant que... Moi non plus parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu. Pourquoi je peux pas aller aux toilettes? Bon bah j'ai filé la bière. Tiens, j'ai trouvé cette Barbarian Brew. I got your Barbarian Brew. Oh, that took you long enough. I had 12 new matches on Timber in that time. Cheers. Wait. I have to take some pictures first. 2 minutes plus tard. Right. So, cheers. Wait. I still have to film the video story. Par contre, la mousse, elle tient bien. Pour servir de la bière, je peux vous dire que généralement. Je peux vous dire que généralement, moi, quand je fais des bières, malgré tous les efforts que tu peux faire pour regarder la mousse, tu. Comment ? Si tu fais. Mais autant de temps après qu'elle soit sortie de la pompe à la boire, la mousse, elle est retombée, ta bière, elle est plate. Hein. Surtout les bières artisanales, parce que oui, les bières jupilaires et tout ça, ça reste en mousse pendant des plombes, mais c'est uniquement parce que voilà, c'est... Du coup, c'est très bizarre que cette bière artisanale est encore de la mousse. Mais c'est littéralement ça quand t'as une influenceuse qui se bat quelque part. Hein. Encore ? Ah, y a pas d'animation pour boire, on dirait. Wait, I wanna film you getting sick. Hashtag fail. You girls the future. Seem to have stomachs made of steel, or you're all robots, sexy robots, and my prayers have been answered. Oh, I'm just going to the bathroom, baby. Don't go anywhere. Oh, mais c'était fermé à 30 secondes. Oh boy, this is gonna be close. Darn. I bet Lefty's got a key.
Lefty, la clé des chiottes. Les bureaux sont en train de prendre. J'ai l'impression qu'il y a des barbares qui se battent dans mon bide. Si on ne donne pas la clé des toilettes sur le champ, tu peux t'attendre à un vrai désastre. Oh, the key broke. But at least it broke after it unlocked the lock. Ok. C'est juste que la clé disparaisse, quoi. Qu'est-ce que... Un rat qui vibre. Ah, les sextoys du 21e siècle. Peut-être pas. Mais tu veux pas la toucher. Ok, donc le PQ sur le truc, sûrement. Donc, je pourrais utiliser le PQ, mais il me faut quelque chose. Il n'y a pas une touche pour voir... Attends. Ah, c'est espace, d'accord. Donc, je peux voir ça. Ah! D'accord, Larry, tu cachais un manche à balai, en fait. Si je t'avais baladé dans la pièce, on aurait vu qu'il y avait un putain de manche à balai, en fait. Comme... Oui. T'as fait un bâton avec du PQ au bout. Call of Doudou. Oui. Motion alert. Motion alert. Cortana? Not recognized. Fingerprint. Not recognized. Smell. Not recognized. Identification required. Je suis Larry. Larry Laffer. Larry Laffer? Voice. Not recognized. Room, not recognized. Location, not recognized. Explain, explain. Putain, t'es un Dalek ou quoi? T'es un robot sexuel, tu veux que je te frotte tout? J'ai nettoyé toute ta crasse, ça mérite quelques une gratitude. T'es un génie. Where do you want me to rob? Lodging security protocol. Return me to headquarters immediately. Violation will be prosecuted. Comment tu veux parler aussi bien? This information is only available to authorized personnel. You are not authorized personnel. Je vais peut-être pas m'autoriser ma poule, mais en tout cas, je suis autorisé et pas la peine d'adopter un ton. Sixty-nine.
Return to headquarters immediately. Huh? Headquarters? Prune Incorporated. Prune? Just what's that supposed to be? Prune Incorporated is a hardware and software company known for its revolutionary PyPhone. That's me. D'accord, c'est Apple, quoi. Such as Timber, the most modern and open dating software ever. The Prune headquarters are located in New Lost Wages. And you want to go back? Geolocation not possible. Please specify current location. Le meilleur bar de la ville. The best bar in town. Please provide exact address. If you don't know which is the best bar in town, well, there's nothing I can do to help you. Alert. Initiating self-destruct. 5, 4, 3. Easy, jeez. You're touchy. That was a joke. Self-destruct suspended. Please indicate. Un téléphone qui est capable de s'autodétruire? No. 2. Lefties. Self-destruct suspended. Lefties located. An UNTA has been ordered. UNTA what? Your UNTA vehicle will arrive outside in 24 seconds. Please get in the vehicle. Okay. Now, I'm curious. Est-ce que je peux? It says here of a pretty bauble now beside. Slip a gold doubloon in the slot. I think it's safe to say the machine doesn't accept dollars. Un doublon en or. What do I want? Guess I've got to put some money in there first. Donc il me faut un doublon. D'accord, le bar c'est par là. Après le bavardage, pour tout ça te dirait de passer aux choses sérieuses. On est Larry après tout, hein, faut être pathétique. Sans quelqu'un ici ou quelqu'un ici autre que moi. Well, I guess my Timber date's a definite no-show. The guy must have stood me up. FML. Fuck my life. Et pas vanne de merde. Pourquoi t'as les yeux rivés sur ce machin lumineux? I'm gonna go do a live stream of the line at Prune. I am like so excited, but you wouldn't believe what an ugly nerd fest that always turns into. Tu parles toujours du truc que t'as dans la main. I have something that's excited too. For real. So excited. I've been getting tons of really sweet messages. My community is already totally hot for the new model. Ok, à plus tard. See you later. Lefty, t'as quelque chose à dire avant que je parte? Rien. Donc je pense qu'on a... Attends. Donc on a déjà vérifié ça, ça... Ça... Ah! Scratching chewing gum off the bar. The second most wonderful thing in the world. Donc c'est bon, on peut se casser. C'est un Uber. Blowing box. Yes. Why are taxis now called Unter? And why doesn't it have a taxi sign? Searching. Taxi. Information found. Taxis are an ancient means of transportation replaced by ultra-modern UNTA vehicles. UNTA is a subsidiary company of Prune Incorporated. Est-ce que je veux dire au chauffeur où aller? Don't I have to tell the driver where to go? He already knows. How? I told him. You
didn't even talk to him. I sent it to his smartphone. Smart what? His glowing box. Oh, okay. Yeah. Why? It's magic, right? No. Me raconter ce qui s'est passé ces dernières décennies. I don't have to tell you. I can show you. Shall I do that? Please. Launching video retrospective. Good old Ronald. I wonder whatever happened to him. Oh. Donc ça c'est l'intro quoi, c'est juste l'intro. À mon avis c'est pour Clinton ça qui dit ça, j'aurais fait pareil. Tu t'appelles comment en fait? What's your name anyway? I don't have a name. Everybody's got a name. You can pick one for me. Oh, then. Bo, Kim, Cindy, Madonna. Madonna, tiens. Madonna. Selection saved. We will soon reach our destination. Damn, I don't have any money to pay for the ride. It's already been paid for. Did you send it to his smartphone? Exactly. Come on, be honest. It's magic. Leisure Suit Larry. Wet dreams don't dry. Ok, le logo de Prune, c'est un vagin. Et on dirait que le building c'est une bite. Et il y a un truc à côté qui s'appelle la grosse bite. The long dong. BJ designed the building himself and he takes criticism very personally. Please avoid that. BJ. Blowjob. Bill Jobs, the CEO of Prune. My inventor, my lord and master. The center of my universe, the brightest star in the technological sky, the most intelligent man in the... You're a fan. I get it. Take me to him, quick. And no one else is allowed to see me. I'm a top secret prototype. Hey, regardez les gens, j'ai un prototype secret. That's not exactly top secret. I don't even know how I got there. Baby, believe me, I know exactly how you feel. Where do you want me to take you? Up to the Skyloft. That's where BJ's office is. Mais là, la forme d'une bite. Ah, encore mieux. Me dis pas qu'il avait pas pensé à ça quand il a fait les plans. Alors, j'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui, en fait, vous n'aurez que deux épisodes de Larry, parce que comme on est le 14, on est dimanche. J'ai pas fait beaucoup de vidéos les dimanches. Donc je préfère m'abstenir. De mettre tous les épisodes le dimanche. Donc je mets deux épisodes aujourd'hui et vous aurez tout le reste lundi. Mur d'affichage. Donc on va en mettre deux. Il y aura celui-ci et le suivant. Et le reste vous aurez tout le jeu. Ouh là là. Alors là, on dirait Silent Bob et un gars des têtes à claque. Et quand je dis un gars des têtes à claque, c'est... Vous savez, c'est un des gars comme ça qui parle avec un accent. J'ai même pas le droit de... It off anymore. Small. If more than two people enter it, it automatically counts as group sex. Ok, on va parler à Finlay ou. Hello. Could you? Oh yeah. And then?
I stripped her completely. Oh, and then? Then I pulled out the pole. Oh, and then? And then I lowered her onto the pole slowly. Very slowly. Ouais, il parle de PC, j'en suis sûr. I had to grab her with both hands and push deeper and deeper. Oh, man, I hope I can afford an expensive sound system like that someday. Ouais, je m'en doutais. Et ensuite? Then I have... Wait a minute. Who are you? Larry. Larry Laffer? I've got this thing here that keeps yakking at me. It wanted to come here. What kind of thing? Wait a minute. I told you that no one is... This. Allowed to see me. Is that a... Dutch? The new model? The secret prototype? It's wonderful. Thanks for nothing. And now put me away again before the drool lands on me. Nah. Oh, too late. Where? Where did you... How? Je l'ai trouvé dans un tas de crasse. I found it in a pile of crud. But how did it get there? Now shut up. Tell him to take me to the executive suite. And don't tell anyone. Yes, ma'am. Oh, okay. Quick. There's the elevator back there. Here's a single-use access card. Tiens, j'avais pas marqué, mais la caméra bouge vraiment. D'habitude, dans ce genre de jeu, il n'y a pas de détails ainsi. Oui, mais j'en ai une, mais tu pourrais le faire automatiquement, s'il te plaît. Il y a des jeux, ils prennent automatiquement les clés, tu sais. Hein. Scale of Prune. Regarde, et même le vieux logo Apple là. But we received the distress signal and the prototype is on its way here. Who has it? Unknown. I want to know who's responsible. I'll fire them. I'll sue them for damages. BJ. And if it ever happens again, I'm gonna close this whole place down. BJ. What? Take it easy. The prototype is on its way here. We have everything ready for the presentation. All that's left is to clarify the final technical details. We're on track. You're right. I should focus on that. Do you have the prototype? I'm Larry Laffer. I don't have a prototype in my pants. I'm just glad to see you. Hello, Larry. The prototype actually really would interest us more. Or do you have more than one? Prototype in your pants. No, I'm Oriole. And I'm BJ, as you know, but it doesn't really matter. Pourquoi elle rougit, elle? It's a pleasure to meet you, Larry. It'd be my pleasure to see you finally pull that thing out. Okay, but I have to warn you, it's pretty big. I'm the thinnest model ever. Oh, you mean the gadget that won't shut up? Je suis Larry. Very funny. Wait a minute, you're serious. C'est quoi ce machin qui n'arrête pas de piailler d'ailleurs? That's our Pi-phone. Don't you have one? No. Why would I need a gadget that keeps pestering me all the time? Well, it's a cell phone, a music player, a revolutionary communication device. You understand? It's not three devices, it's one device. So it's schizophrenic too? Larry, I will kill each and every one of you. Je crois que les yeux sont en mode What the fuck this? Est-ce que le prototype vient de menacer? Vient de menacer l'humanité? This is Bill Jobs, the legendary founder and CEO of Prune Incorporated. Ne soyez pas médisant avec lui, s'il a été enfermé depuis 85, il a même pas connu les ordinateurs. Enfin, il a connu les premiers ordinateurs, mais c'était pas développé. Et tel que je connais le Larry qu'on a vu évoluer avec les jeux,
il est pas très malin. Non, mais c'est pas un tips, il menace pas. We have to check out the prototype. Our chief engineer has to recalibrate it. And if that ever happens to me again, there will be consequences. So, about our day. You certainly are persistent. Oh, si tu savais à quel point je peux être persévérant. You'd be surprised how persistent I can be. Larry, I don't have time for dates, so I just hook up through Timber. Timber? The dating app we're developing here at Prune. The app that revolutionized everyone's love life. Oh, that. Right. Great app. Bought two of them right away. And don't take it personally, but I don't think your profile there has enough points. I don't accept any contacts with less than 90 points. Y a des points sur Tinder? I have a perfect score on Safe Space Invaders. Well, I am impressed. Anyway, burn a finder's fee, Larry. Here, a voucher for a Pi-phone. You can cash it right downstairs in the store. Then you can install Timber. D'accord, j'ai l'impression que ça va être le sel du jeu, ça. Of course, Larry. 90 timber points should be a breeze for a guy like you. Don't go anywhere. This won't take long. Elle nous manipule, hein, ça se voit. Elle fait genre qu'elle est gentille, mais en fait c'est une salope, quoi. Ah, j'avais pas remarqué que c'était le bar à Brignac. Parce que vous savez, il y a les genius. Oh, flashback. What's that box for? He doesn't know what it is. That's virtual reality. Tu veux dire comme le cyberespace? Oh, you mean like cyberspace? The what? Must be something from the 80s. Anyway, you could just take a pair of glasses. Every customer gets one for free. Thanks. Oh, the box fell apart. All I did was pick it up. Can I have another one? Can't you read? Only one set per customer. Can I exchange the broken set for a new one? Unfortunately, I can't do that due to the signs of wear. However, I can offer to have them repaired for you for the one-time low price of $2.99. I mean, sell you an insurance policy for your device for the bargain price of only $19.99 per month. Duration 96 months, non-transferable. However, the insurance does not apply in the following cases. Water damage, fall damage, software damage, contact damage, damage through use, or any other damage caused by day-to-day use of the device. And volcanic eruptions. Ok, donc cette assurance ne sert à rien. On est bien d'accord. Donc j'ai récupéré une lentille. J'ai mon ticket pour avoir un Pi-phone. J'espère qu'il est chargé et qu'il a, il est déjà rempli de mes informations personnelles. Et donc, comment je l'allume? So, how do I turn it on? Hold the button down. Okay. Welcome to your new Pi-phone. Thank you for choosing a Prune product. You're welcome, baby. So, how are things? Please state your name. Bertrand Holtz. You can find me in the phone book under Sexiest Man Alive. Entry not found. Please state correct name. Larry Laffer. Registering Larry Laffer. Setup complete. Et à quoi ça sert? What do I need one for? For everything.
yesterday, weren't you? Well. Il y a une femme à l'intérieur de celui-ci aussi. There's a lot of women in there if you want. Why? This thing must have kilobytes of memory. Okay, then show me how to work this thing. What? You don't know? Je veux seulement m'assurer que vous savez comment faire. Sure, Larry. We'll be glad to help you. You've already turned it on and created your user account. So swipe across it. I don't have a cleaning rag with me. No. Swipe across the display with your finger. What are all those pretty little pictures for? Those are apps. What do you mean, apps? Apps. Programs. Oh. On dirait que je les énerve. Hein. How do I type something into them? You have to call up the keyboard. But this thing doesn't have one. It will appear on the screen. Huh. That's way too small. Dix minutes plus tard à découvrir la technologie. I think I've got it now. I doubt it. Comment fonctionne la femme à l'intérieur? You have to call her. Trip. Not like that. You have to say hello, pie. Hello, baby. Not like that. You have to say hello, pie. Hello, pie. Yes, Larry. Raconte-moi une blague. I bought a ceiling fan the other day. Complete waste of money. The worst bit? All he does is stand there clapping his hands and saying, look how smooth it is. You know any jokes about women or minorities? I don't have the right algorithm for that. Oh! Can you play video games on this thing too? Only if you want to buy loot boxes. Oh no. I'll explain if you pay me $800. Never. Then that's not for you. Okay. One more important thing. Faith said that I should collect points in something called Timber. Ever hear of it? If you want to get anywhere on Timber, you'll need a damn good profile. Mm-hmm. Good thing we know something about that, don't we? We can help you set up a profile that really gets the chicks. Great! But we don't do this for just anyone, so we need you to prove that you're a real player. D'accord, il y a une allée sombre par pas loin. Where's a dark alley? No, not that kind of thing. I'd like some soft toilet paper. They only buy the cheapest here at Prune and it scratches like hell. And I have neurodermatitis and acne vulgaris on you know. And what do you want? Anyway, what? Some underwear. Aren't you wearing any? From a girl, but used. Oh boy. Donc tant que je n'aurai pas fait cette quête, ils ne me laisseront pas. So you want toilet paper, but it has to be soft. A pair of panties, but they have to be used. No problem. Perfectly normal things you can get from any vending machine. Ouais, c'est pas faux. J'ai oublié. On va aller d'ici, vous pouvez pas appeler un taxi. Alors, il suffit d'appuyer sur la touche U du coup. Retournons chez Lefty. Ok, que de la rue, d'accord.
That shoe has seen better days, but the shoelaces are still okay. Plaque de buisson luxuriant. I think there's something in there, but the bush is too thick. Il faudrait que j'arrive à couper dans le buisson. I can't lift that out. I won't rummage around. I won't. It's overflowing. Donc à moi d'avoir une bonne raison. Beam me up, Scotty. Oh, it's working again. Beam me up, Scotty. Oh. It's working again. Hey, Lefty. What's up, Aaron? The Wi-Fi's gone all wonky again. Up, down, up, down. I can't work like this. Oh, hello, nurse. Can't be much longer. Tell him to get a move on. I announced a show for today. D'ailleurs, je me pose la question, ils avaient pas fait un remake de Larry 1er, mais une... qui avait pas de français, je sais plus. C'est qui la rouquine mal habillée? C'est quoi un Wi-Fi? I should never have let them talk me into that special edition router. It was advertised as a Wi-Fi router with integrated home entertainment system. But the music is scratchy and the connection is pretty erratic. Attends, c'est le... Is the internet something like the ARPANET? I'm just gonna say yes. Ha! The commies will never catch up if we already have a better network than they do. Just gonna say yes again. How come Aaron didn't have much on? No one wears a lot of clothes on the internet. That's what I've heard. I should get myself an internet too. You already have one. Your smartphone. Hey, don't encourage him. Changeons de sujet. Comment se porte le brassin du barbare? C'est vraiment du mauvais qui n'aurait rien dans le froc. Lives upstairs. She don't want to be disturbed. Don't worry. I can use my tool quietly too. I need to fire up the brewing vat, the brew kettle again. Pull D'accord. The lever down, then turn the valve and push the lever up again. Okay. I have to fix the pipe first. Something is eating its way through. Huh. I wonder what. On a vu le rat qui était à la sortie du tuyau. Est-ce que t'as une chambre disponible? You know, for when the ladies come to call. Yeah, the room upstairs. But Erin's using it right now. She only wanted to rent it for a while, but now she's been here for some time. So if she moves out, I could move in? If you can pay. Maybe I can rent. If by that you mean you're gonna help me fix the brewery. D'accord, donc si je répare la brasserie et que je fais partir la rouquine, je pourrais choper la chambre. Donc ça, c'est le wifi, ok. Ah, hé hey Larry, voilà ce qui arrive quand on fourre son nez partout sans se protéger. J'espère que tu as appris que tu devais toujours enfiler un petit quelque chose avant de tâtonner à tout va dans des endroits inconnus. C'est pas comme si tu méritais une deuxième chance pour une telle bêtise, mais pour une fois, on va se montrer indulgent. Oh. Attends, du coup, il y a vraiment une usine en dessous qui fabrique des Larry.
Ok, donc il y a un truc pour afficher, le Wi-Fi. Alors attends. Peut-être si j'avais une capote. Ah bah elle utilise tout le PQ on dirait. Attends, tu vomis ou tu chies? Tout va bien? C'est Becky? I'm not doing so mega hot. More like kind of down because the people here are partying so hard it's killing me. But I'll be good to go again in a minute and then it's back out to the other party peoples. So, if you want to stay tuned to what the nightlife here in the hottest location of New Lost Wages has going on, then click on subscribe below and write in the comments where you're partying hard today. Oh mon dieu. Barbarian Bow. Oh, quelqu'un a fermé le... Quelqu'un a fermé le... Allez, l'auréole. Tu devrais faire un procès, Lefty. I'll see what I can find. Why does everyone want me to get them panties? Bizarrement, les femmes vomissent, les femmes qui vomissent, ça m'excite. Yes? OMG, this is so disgusting. Yeah. Oula. Ah ouais, les tuyaux, là... Alors, quelque chose me dit que si je lui ramène une culotte propre, elle me donne une culotte sale. Ok, Instacrap, ça sert à ça. Inventeur, une clé avec la culotte. Lefty's clean laundry. Since when does Lefty wear? Oh, they must belong to this errand. Surely no one will notice if I take them. Surely. Okay. Y a Yoshi qui vit là ou des critters? Ça fait déjà une quête de rempli, hein. Après tout. Oh, thanks. Good thing. Was there something else? The toilet paper, please. Here. Oh, that's just an empty roll. I used it all. And will you please get out of here? I want to get changed. You got an empty toilet roll there, Larry? Is it all used up again? Oui. Yep. Strange. These days, it's always gone in no time at all. C'est un mystère qu'on ne résoudra jamais. Peut-être que c'est dû au barbarien. Barbarian brew? You think so? I stuck to the German beer purity law. Well, to the revised version, my great-great-great-grandfather Lefty Niederholz, who emigrated here from Kassel in 1887, used. And let me tell you, snake oil isn't easy to get these days. Mm, except from Taiwan. Can you do me a favor and put up another roll of toilet paper? We just got a new shipment. You'll find Merci. Everything in the back room. Je pense que Becky est toujours là. Larry, I can't leave the... Could you replace a new ship? Ok, d'accord, c'est pour que Becky se casse en fait.
de l'adoucissant. Y a quoi d'autre ici? Ça c'est le tuyau qui fuit, papier toilette, ça c'est la machine, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok. Est-ce que du coup... Ah, quelque chose me dit qu'il est abrasif. Ben voilà! Je me disais aussi, il voulait du toilette, du papier toilette doux. Si celui-là il est pas doux, je le mélange avec ce que je viens de trouver, de l'adoucissant, quoi. Larry, you can forget the toilet paper now. The toilet didn't survive. Oh. I threw a lot over the years, but that was just too much. That Becky disappeared too. She said to tell you she never wants to see you again. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste filé où là? Oh. Did Becky maybe? Yes, she threw her panties in there. Sac poubelle avec sous-vêtements sales, d'accord. C'est vrai que techniquement... Ouh là là, c'est vrai qu'elle a dû... Alors attends. Bien sûr que si, ça peut aider, si ça peut reboucher le trou. Oh Hubert! On retourne au siège central, on a tout ce qu'il nous faut. Alors pour toi, mon vieux, on a le papier toilette le plus doux du monde. Ah bah je donne les deux, on dirait. Oui, il y a du caca dedans. Oh, and the toilet paper is so soft. Feel it. Awesome. Oh, can I have some of that too? No. Never. Alors, vous comptiez m'aider avec ce timber machin. Timberlake. We'll give you all the hottest tips and you'll get more tail than you can tap in a lifetime. Just leave a few for us too. Yeah. Just give me your Pi-phone. Here. You change one single thing in my settings and I will hack your own Pi-phone and publish your browser history. Yeah. Okay. So in order for me to set up the perfect profile for you, I need you to answer a few questions. Sure. Okay. Name? Larry Laffer. Nickname? Some type. Nickname? Non, mais là c'est trop beau. Alors, bête de sexe, moyen. Pro de la drague, hein, mais Enormus Penus, c'est clairement une référence au Monty Python avec Bigus Dicus. Mais putain, en plus, c'est ça! Cunilinguiste, programmeur, programmeur de jeux vidéo, programmeur de bateau à bascule, mec qui comprend les femmes. Voilà. Just enter IT specialist. Chicks love that. Yeah, okay. That's why they're always after us too. What's your motto? Your tagline. Mon slogan. Salut, c'est moi. Tu viens souvent ici. Je te jure, j'ai aucun MST. Ils sont naturels. Je possède la clé de ton cœur et ton vagin. Non. I really don't have any STDs. Faisons le calcul, probablement 69 adultes, adultes dans la plupart des états. Là, c'est dans la tête, je peux arrondir. Let's do the math.
Gotta be 69. Let's stay realistic. Let's say 39. favorite animal? L'anguille, le rhinocéros, le castor. Pussy. Whoa. My astrologist said that's my power animal. Your personal gender assignment. Ton identité de genre, homme, d'habitude homme. Je vais pas regarder mon slip devant vous. I'm not looking in my pants now. I'll enter man. But with the quotation marks. A sexual orientation? Yes, please. Okay. I'll enter bisexual. That will give you the most options on Tim. Hey, you guys are the pros. Favorite position? Missionnaire, le chemin inversé, celle que le pape n'aime pas. Toute tant que je suis pas attaché, suspendu à un arbre, les jambes croisées. Peu importe en courbe. Doesn't matter, as long as it's sex. Let's just say screenicorn, and that's in right now. Okay. For the profile picture, show me your good side. Perfect. If that's not an impressive profile, I don't know what is. So what do I do with this temper? Well, hey, if someone matches your profile, that person will be displayed as a suggested contact. Okay. And you can swipe the pictures to the left if you don't like them, or to the right if you like them. Okay. But if a person likes you, they will be shown under matches, and then your matches are shown on the Unter map, even the ones you swiped away at first. No. And then you get points. I need 90 to get Faith to go out with me. Yeah, well, good luck with that. Yeah, Prune has a complicated and top-secret algorithm built into Timber that determines your score. It evaluates the number of contacts, the quality of your contacts, the frequency, and the quality of the sex. In addition, Timber members all rate each other. A good date scores more points. Okay. The app evaluates the frequency and quality of my sex? How? How does it do that? On sait pas. We've been asking ourselves the same thing for a while. Let me get this straight. I need to have sex with as many women as possible to finally get my dream girl Faith. Well, yeah, that's one way of putting it. Hmm. Wow, the 21st century is great. Hey, Larry. Yes, babe? I have new suggestions for you on Timber. Oh. The profile's working. The ladies love me, as was to be expected. Ladies, get ready. Hello. Here comes Larry Laffer. Ouais, je crois que je peux arrêter là pour l'épisode 1. Zéro, je parie. 5. It's a start. Only 85 points left. Not long until our date. Talk about a nut job. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Est-ce qu'il y a un bouton de sauvegarde ici? Charger, sauvegarder. On va... Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo, à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. Enfin, techniquement... T'es gueule. Comme je disais, on se verra ce soir. Donc là, il est 14h normalement. J'ai fait comme d'habitude pour les jours. Et donc à 18h, vous aurez l'épisode 2 de White Dreams Don't Die. Et Don't Dry, pardon, pas Don't Die. Désolé, je me suis trompé de jeu. Et demain, vous aurez tout le let's play complet. C'est juste que comme on est aujourd'hui la Saint-Valentin, je voulais marquer le coup. Mais je ne veux pas publier trop de vidéos un dimanche. Après tout, voilà quoi. Par contre, lundi, vous aurez tout. Voilà. Lundi, vous aurez l'intégrale du jeu. Pour l'instant, vous avez juste le début. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite sur l'épisode 2. Techniquement, si vous le voyez après le 14, bah, tout sera publié. Donc, j'ai même pas la peine de vous dire à la prochaine. Hein. À tout à l'heure. Allez, à plus.